You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Eh bien, bonsoir à tous. La poutrance continue, mon cher Tickel. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Et effectivement, la poutrance continue. Toi, ça va bien? Yes, it never end. It never, we never surrender. Voilà, on continue de poutrer sans jamais s'arrêter vers l'infini et l'au-delà, jusqu'à poutrer dans des villes lointaines telles que Bordeaux samedi. Voilà. Oui. Bordeaux samedi pour loger ce bar, hein. N'hésitez pas à vous pointer si vous êtes du coin ou si vous n'y êtes pas et que vous avez tellement de passion que vous voulez aller jusqu'à Bordeaux pour croiser le crew. Il faut aussi le savoir, on sera bien sûr à Paris le 2 décembre et le 16 à Lyon. Voilà, loger ce bar pour les 2400 subs. Voilà, on tient nos goals, chose promise, chose due, et chose due également, voilà, pour ces underdogs, puisque ça va être la soirée de ce soir. On va avoir les sub top français qui vont se battre pour accéder aux top dogs. C'est ça, et nous avons toutes les races représentées ce soir. Nous aurons un match ouverture et on est déjà dans le ready. Voilà, on a Clem contre Shadown et on aura Ino contre Moulou de la Poutrance sur le test map. Ou d'ailleurs, non demain, mais normalement mercredi, on aura le patch. Alors c'est mieux au 22, mais en général c'est le 22 dans la nuit. Ça arrive toujours le mercredi. Donc finalement, vous jouerez-tu le 23? Voilà, c'est exactement ça. Donc a priori, ouais, ça devrait être ça. Et on verra ce que ça donne une fois mis live. Ils ont mis quelques derniers changements là au début de semaine. Ouais. Notamment le tank qui gagne 15 points de vie. Mmh. Le cyclone qui maintenant a besoin d'un upgrade pour accéder à ses 6 de portée. Il est réduit à 4. Et on a également le DT Blink qui a été buffé en réduisant son coût de 50 de minerai et 50 de gaz. Mais il a toujours 21 secondes de cooldown. Voilà. Et il met toujours 121 secondes à être recherché. Ça rage, TKL, tu rages. Non mais le pire, c'est que on a peine commencé, tu rages déjà. Non mais le DT Blink, je me posais la question, est-ce que en vrai, je suis pas un peu en train d'être biaisé et ça peut pas être un peu utile? Et alors, je suis allé voir trois différents broadcasters qui ont fait des vidéos pour en parler. Et surtout, sont en train de dire, bah, ça nous dérange pas que ça existe parce que ça sert à rien. Et même avec le buff, tu vois. Donc après, je suis curieux, peut-être qu'on a tous tort. Et je c'est tout ce que je souhaite, Hugo. C'est tout ce que je souhaite, c'est d'avoir tort. Non, mais évidemment, de toute façon, le genre enfin, c'est fait pour ne marcher que dans des scénarios particuliers. Ouais. Parce que si ça venait à être fort, en fait, ça viendrait être complètement pété. Donc c'est le genre de truc qui, tel des Swarmost, c'est vrai. Se doit de rester anecdotique. C'est vrai, peut-être que c'est le même truc. Je pense que la seule utilité que tu auras de l'upgrade, c'est genre de les scénarios où t'arrives low eco, limite trade base, et tu t'as plus de thunes, il y a des bases qui à droite, qui à gauche récoltent, et puis toi, tu prends deux CV, tu te barres. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ok, bon, en tout cas, on est prêt. Voilà, pour débarrer le premier BO5. Ah mais en fait il est en train de piller le frigo, il est en train de faire ses courses pour chez lui. Ok, la game qui est lancée entre ces deux joueurs. En bas à droite, représentant Mindsanity, il s'agit de Shadown. Pan. Et en bas à gauche, ici pour la team Dead Pixel, Clem, dont un ancien joueur de cette équipe a donc remporté la Home Story Cup. Patience, qui se retrouve désormais sans équipe puisque Africa a annoncé le disband pas plus tard que ce matin. Maintenant, aucune surprise là-dessus. Non, aucune surprise. Il y avait juste le truc un peu awkward qu'ils n'aient pas annoncé en même temps que les autres équipes qui n'est pas. Maintenant, c'était tout à fait attendu, hein, de leur part qu'ils finissent par le faire. Et il y a juste Jiner, eux, qui ont confirmé leur maintien tout simplement d'une équipe en 2017. On verra ce qu'il en est pour MVP, qui eux n'ont pas encore communiqué à ce sujet, bien que Ryong ait déjà quitté l'équipe. Ouais, voilà. C'est Yorna, il n'annonce pas, donc de toute façon, c'est pas la fin. La fin. Voilà. Donc on a Shadown contre Clem. On est sur le test map bientôt live d'ici demain soir, mercredi matin, comme on le disait. Beaucoup de changements, beaucoup de fun à venir, sauf pour les protos pendant quelques temps. C'est ça. J'aime te le rappeler. Que tu vas souffrir. Que tu vas devoir jouer ZR pendant quelques semaines. Voilà. Je ne sais pas comment cela est censé se goupiller, mais ça va être rude. Hein. Mais je vais continuer de boire tant que tu parleras de la situation de proto sur ce patch. Il n'y a pas de souci, j'ai une tasse. Maintenant, j'attends de voir. Ouh, Proxy qui vient d'être lancé. Oui. Avec le nerf du cyclone qui est à venir, je me demande pas en fait si Protoss va un peu mieux fonctionner contre Terran. Bah. Parce qu'il n'y aura plus tous les proxys de
pisse avec Cyclone. C'est ça. Après, j'avoue que la situation du PVT ne m'inquiétait pas foncièrement, pour ma part. Je pense qu'il y a pas mal de nouveautés et que pour le coup, c'est purement de l'adaptation. Et ouais, il y aura des trucs qui seront un peu chelous dans le match au début. Mais en vrai, à partir du moment où tu seras un joueur bon, tu trouveras une adaptation. Le petit tag, bien sûr, qui était balancé. Ça, et c'est Stargate en proxy. Mmh. Ok. Alors ça, c'est une bonne idée de merde. Parce que imagine, enfin. Bon, ça a peu de chances d'arriver, mais t'imagines le mec qui scoute avec un truc aérien et puis il voit le tag, t'as aucune raison pour qu'une sonde soit passée. C'est ça. Ah bon. Donc bon, après, il se fait plaisir, hein, le bon Shadow, il a raison, c'est un jeu avant tout, et l'essentiel, c'est de s'amuser dans il les jeux vidéo. Peinture. Et on a quand même un petit claim qui du coup est parti sur un réacteur très rapide, hein. On n'a pas eu de Reaper pour scouter, on n'a pas eu un Marine initial pour contrer une éventuelle probe de scout, et du coup, on a eu un Reaper, pardon. Et du coup, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive qu'on n'a pas d'unité hein, pour contrer l'Oracle qui ne manquera pas de sortir, ici le petit VCS qui pourra confirmer qu'il y a bien une pause de B2, et du coup c'est pas un full all-in, mais ça va manquer clairement de défense dans la ligne des minerais. Ah, est-ce qu'il va réussir à faire le même pelasson avant qu'elle puisse poser pylône? Os. Oh merde. Os. Un seul pylône, ça devrait être géré à terme avec les deux marines qui vont rentrer dans le bunker, mais l'oracle lui du coup qui sera eh bien parfaitement ingérable pour le bon Clem tant que sa mine ne sera pas sortie je pense. Oui. Attention ici l'adepte du gear, il faut essayer un petit peu de faire régner l'ordre de la justice sur ce low ground, mais le high ground qui est pris, la photo de overcharge qui arrive, qui débarque, qui fait du dégât d'ores et déjà sur ce petit bunker qui n'avait rien demandé à personne. Le VCS qui est derrière qui pourrait se faire focus voyeur, voilà c'est fait immédiatement de la part de Shadow qui va essayer de prélever un petit peu d'économie du coup au passage à son adversaire avec l'oracle qui débarque. Ah ouais, dans la base principale ici, ça commence à faire des dommages. Donc oui, le pylône d'attaque n'a pas fonctionné. L'oracle, lui, est plutôt rentable. Bon, avec que 3 kills. Oh, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la... Il n'y a pas de station orbitale en fait là. Bah, il n'y a pas de station orbitale, mais tu sais, t'as une mine. Le spatioport est terminé. Donc il y a un gros potentiel de drop mine et ton oracle, il y a peu de chances qu'il ait de l'énergie ou qu'il soit en place pour détecter la mine. Donc il y a aussi une fenêtre d'opportunité pour Clem et ça dépend de si ce dernier l'utilise ou pas. S'il l'utilise pas, je pense que l'opération du bon shutdown reste correcte. Oui. Oui, la mine qui est là, on va voir l'oracle qui préfère faire demi-tour. Mais c'est vrai que comme tu disais, le starport est là et tu préfères avoir peut-être ton oracle à la maison au cas où le mec il arrive et il drop la mine. Mmh. Dans ta ligne de minerai, tu as envie d'avoir la détection requise pour pouvoir gérer. C'est ça. Et là, il faut même gérer le Reaper, voilà, qui aurait été une petite source de nuisance. Je crois pas qu'il ait pris de kill, hein, tout simplement, sur cette séquence. Même pas une seule. Non, c'était la propre de scout, ça. Donc, très sereinement, du côté de Shadown. C'est ça. Et là, on salvage le bunker. On va voir la station orbitale, un petit libérateur, un tank. Ça s'annonce quand même assez. Ah, j'avoue. Je sais pas comment ça s'annonce en fait, t'as pas de temps de T-Vac. Est-ce que T-Vac quand même J'ai l'impression qu'il y aura des joueurs qui vont le tenter. La question c'est est-ce que ça va réellement fonctionner et je... De toute façon, ça se trouve c'est un truc qu'on n'aura même pas la réponse parce que la carte va juste dégager. Oui. D'ailleurs, après, je suis assez attristé de ne plus voir King Sejong Session. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une map que j'aurais bien aimé voir sur le test map définitif. Moi, c'est la carte que je veux garder à tout jamais. Ah bon? À tout jamais. Tu l'adores, tu la kiffes. Ouais. C'est ton enfant. C'est la seule carte que je trouve ultra intéressante tout le temps. Elle est jamais chiante. Mm. Enfin, très rarement. Sauf quand le terrain décide de camper, de pas bouger. Ouais. Là, c'est quand même désagréable. Mais ça, c'est pareil sur toutes les maps. Ouais. Hein, quand un joueur décide de camper. Et je dirais, et encore, vu qu'il y a un nombre de bases limité, ça dure pas indéfiniment non plus. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est une petite map qui permet beaucoup de choses, mine de rien. Enfin, une moyenne map plutôt. Pas si petite que ça, le libérateur qui continue d'être une source de nuisance non négligeable. Attention, voilà les probes qui vont réussir à se sauver juste à temps. Et cette petite probe qui joue avec sa vie en minant à la bordure de la limite démocratique. De l'autre côté, le bon Shadow qui continue sur des immortels, qui n'a pas lancé d'upgrade sur son conseil crépusculaire pour l'instant. Donc on va voir ce qu'il décide de faire. Mmh. Assez curieux. Et ça, on va voir. Est-ce que les joueurs sont en train de sortir? Est-ce qu'on pourrait pas avoir des... Non. Le speed banshee quand même. Ouais, franchement. Ouais, le speed banshee qui n'a plus besoin du fusion core pour être recherché. Donc, mine de rien, tu pourrais avoir des formes de haras banshee assez vénères sans même avoir le cloak. Hein. Enfin, ça va très très vite. Ou si l'oracle un peu vénère qui vient chercher ce tank à 175 points de vie, qui va le tuer, va-t-il sauver sa vie? Oui, c'est parti. Très bonne prise pour cet oracle. Hein. Oh là là, la nuit. Et on regrette déjà de plus avoir le tank qui va quand même, si bon, il n'y a pas de divac. Voilà. C'est l'idée de l'autre, il arrive, je te prends ton tank, tu dégages. Hein. C'est ça. Habitue-toi, ça risque de réarriver. Exactement. Maintenant, tu dois être en place avec des défenses anti-aériennes. Enfin, c'est ça. C'est mieux, quoi. Ah, là. Bon.
On est chaud du côté de chez Shadown. Tiens, rien à voir, mais je pense. Truc que j'ai pas vu, t'as vu le tweet de. Ah, j'imagine que t'as dû le voir, le tweet de Funkar. Alors t'as peut-être vu sur, sur Zest. Non. Avant le Zest Patience. Non, du tout. T'as pas vu ? Non. T'as pas vu ? Non. Ce que Zest fait ? Ah, si, il fait des pompes. Mais c'est tellement énorme d'un petit coin de l'écran. C'est ça, mais tellement épique. Je l'ai vu après en rentrant chez moi, mais je me suis dit, oh putain, le badass et tout. Dommage, j'ai perdu après. Mais ouais. Mais genre, imagine le mec qui fait systématiquement ses pompes avant ses matchs. Attention, ici le libérateur qui revient, c'est... qui reprend des kills dans l'économie, qui va perturber le minage. Mais surtout, la façon dont c'est filmé, c'est juste trop drôle. Tu vois un joueur qui est en train de mettre ses écouteurs et tout, trop et tu vois un bout de bonhomme qui fait des pompes de l'autre côté. Le truc trop improbable. Ah bah, après, c'est Zest, hein. Zest est parfaitement improbable comme individu. Oui. Ah là là. Bon. Petite stase qui est en train d'être posée de la part de, du bon Shadow, c'est dans les structures. Alright, directement sur la B3 pour potentiellement empêcher une prise de B3. Et d'ailleurs, ça va être fait ici, ce VCS qui va être pris au piège de la stase. Du coup, ça va retarder la pose du command center. On le posera vraisemblablement du coup directement dans la main pour ensuite le décaler. Mais c'est du temps perdu néanmoins pour le bon Clem qui reste du coup sur un heavy bio tank. Hein. C'est il a quasiment pas interrompu sa production de tank tout du long. On va voir si ça fonctionne puisque le tank a quand même été fortement buffé sur ce patch. Ouais, c'est ça. Maintenant, faut réussir à aller siéger au bon endroit. Voilà, parce que ce qui risque d'arriver, c'est le Pordos qui recule systématiquement. Oh là 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 là, oh, là, c'est la merde pour Clem ça. Oh, les forces qui tombent instantanément de la part de Shadown directement en piège quelques unités. C'est dommage, c'est un petit peu labyrinthique. Ces petits forces, il aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais il s'en sort néanmoins très bien. Le tank qui met un shot, mais c'est sur des unités light. Du coup, le dégât n'est pas non plus monstrueux. Ouais. Le petit prisme de transfert qui est là pour les contre-attaquer. Les tanks, du coup, ils sont très lents. Mont 33. Oh, c'est bon, le mec qui est directement sur les tanks. Les tanks qui se font prendre la partie par les stalkers qui se font imploser parce que ça fait 70 de dommages sur des stalkers. Et derrière, cependant, les immortels, eux, font régner la justice. Ils s'en battent les couilles des tanks et ils les démontent. Je comprends vraiment en fait comment Clem il est devant au niveau de la population. Là, ça n'a absolument pas de sens. Je crois que ça va se rééquilibrer ici. Les immortels qui sont en train de mettre leur claque face au Maraudeur. Là, c'est plus un attaque sur la fanterie. Plus un attaque sur la fanterie qui joue un tel rôle ici avec le tank en plus qui mettait tellement de bastos par derrière. Tu n'as que des Blink Stalker et là, face à une Bioball, plus un attaque. Et les tanks, tu ne peux juste pas gérer. Mon cher Shadown, il faut réussir à prendre le joueur terrain hors de position pendant que son tank est un siege. C'est maintenant la faiblesse principale de cette unité, c'est de nouveau à l'instar de HOTS, son manque de mobilité. Les stalkers qui reviennent en front lane, qui vont blink back, les adeptes qui ont été warpés eux aussi, mais qui, sauf erreur de ma part, ne bénéficient pas des glaives résonants. Non. Effectively not. On a la B3 qui est relancée sur le côté. Laura qui va pouvoir récupérer ça. Il va falloir jouer long terme du côté de chez Shadown et puis casser cette seconde base est l'un des bons moyens de procéder. Et je veux dire, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'unité qui décale, il y a assez d'énergie sur ce oracle pour tuer ce command center. Oui. Puis ça, je dis rien, attention, l'engagement qui pourrait prendre, les adeptes qui shade in. S'ils arrivent à shade in sur le tank, ça reste pas trop mal. Maintenant, il faut pas qu'ils soient seuls. Attention, la bioball. Ok, on a tué le command center. Du coup, Clem qui pourrait potentiellement être all-in sur cette séquence. Le timer qui est balancé directement. Les shades qui ne sont pas envoyés. Les stalkers qui n'ont pas appliqué pour aller chercher le libérateur. Du coup, le libérateur, les tanks qui mettent un bazar pas possible dans l'armée du jour Protoss. L'immortel qui meurt aussi. Les tanks qui ont mis tellement de dégâts. Est-ce qu'on peut tenir du côté de Shadown? J'ai l'impression que oui, ça devrait le faire. Maintenant, on n'a pas dit notre dernier mot du côté de Clem. C'est ça, on est en train de ravitailler ici. On a perdu quand même une bonne partie des tanks. Hein. C'est chiant pour pouvoir renforcer. On doit se contenter de la bio. Les médivacs qui n'ont plus beaucoup d'énergie, qui ne sont d'ailleurs qu'au nombre de 3. C'est chaud en fait. On met une pression, mais il a du mal à snowball en fait. Clem, Shadown qui lui est dans la galère la plus totale, mais étant systématiquement limité par son nombre de medivac et son nombre de tanks, Clem n'arrive pas à bouger non plus. C'est ça, mais est-ce que la limite ici elle n'a pas sauté? Il n'y a que des adeptes et des stalkers, puis un seul immortel pour distribuer les grosses bastos sur le nombre important de maraudeurs du bon Clem qui en plus de ça commence à produire ses libérateurs 2 par 2. On repousse toujours plus loin le joueur Protoss qui essaie de temporiser ses glaives résonants. Va-t-il réussir à les avoir avant de prendre trop de dégâts? Nous avons peut-être sur ce pylône défensif. Voilà, on faut donner une charge immédiatement, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Les glaives résonants qui sont pas finis, les adeptes qui mongolisent derrière les stalkers. Attention, faut peut-être blinking pour aller choper le libérateur ou le tank qui va être chopé en premier, le libérateur qui pourrait être focus ensuite, mais c'est pas du tout le cas. Les stalkers qui sont tous en train de mourir ici. Ah, c'est chaud, les adeptes vont tirer à tanker, on lève le temps pour la seule façon de procéder. C'est pas trop mal pour Shadown. Shadown semble enfin s'en sortir et t'as vu cette sorte de réflexe de booster les médiacs au moment où il se fait charger pour essayer de récupérer les tanks, mais en fait tu peux pas. Exactement. Bah, après, ça te permet de les sauver néanmoins. Une stase qui est en train d'être posée en défensive ici de la part de Shadown.
Shadow. Voilà, il va en avoir besoin. Il sait qu'il a besoin de temporiser plus de technologies, plus d'upgrades. Parce que mine de rien, jusque-là, Shadow est ultra limité. C'est du gateball immortel son build. Il n'a pas de dégâts de zone pour gérer la grosse bio. Et après, il n'y a pas énormément de bio parce que l'économie de Clem a été limitée jusqu'à maintenant. Mais il y a un stade où cette technologie ne suffit plus face à un joueur Terran. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas, c'est soit tu tues le mec rapidement, soit c'est mort en fait. Et là, il y a du temps, quand on refait du libérateur, on complexifie la composition. Est-ce que c'est pas un Shadow qui en fait a juste envie de... Oh, il se fait dire nice, c'est la ligne de minerai. A envie de tuer justement parce qu'il sait qu'il n'a pas la composition, il ne se sent pas dans la possibilité de lancer le tech pour battre Clem à ce petit jeu-là et du coup décide simplement d'insister. Avec beaucoup, mais il n'est pas bien positionné du tout. Hein. Ouais, mais il a sauvé l'immortel qui lui était extrêmement mal positionné. Les libérateurs, eux, qui se mettent en place. La vision des Shay qui est tellement ridicule, il sait pas du tout ce qui se passe. Énorme. Énorme. Débarre. Débarre. DPE. Cette rage. Non, mais. Moi, ça, en vrai, c'est pas un truc qui me dérange. C'était censé avoir la vision sur l'armée du jour. T'as les révélations et les observateurs. Tu peux avoir la vision autrement, quoi. Les Shades qui sont envoyés ici, qui vont se mettre en position derrière le tank, on pré-split ici pour aller choper directement le tank, le blink offensif pour aller chercher les libérateurs de la part de Shadow, mais attends, suffisamment de stalker, oui ça a l'air d'être le cas, et la biobo au sol qui a l'air d'être parti pour se faire raid, il n'y a plus tank, ni libérateur pardon, et les adeptes, même si on a nerf, leur vision reste très fort, et avec les glaives résonants sont en train de raid cette biobo de Clem. Ça a l'air de le faire pour Shadow, on a un non sans mal, cette game aurait été une lutte, voilà, incessante. Entre les deux joueurs, mais ça semble définitivement être fait. Voilà, Clem qui abdique. En tout cas, une game assez intéressante, beaucoup de pression. Tu vois là que les joueurs sont pas encore habitués vraiment à jouer tank. C'est donc la dynamique, un peu ils sont perdus. Aussi, c'est parce qu'il y a une résistance qui est très très forte chez Shadow, mais tu as cet aspect de peut-être tu pousses, mais tu t'arrives pas à conclure et tu réinsistes. Il n'y a pas de grosse transition macro, de timing genre plus violent, mais moins. Moins régulier peut-être. Enfin voilà, on verra ce que ça donne dans le futur. Effectivement. Et dans le chat, Fire Play Gaming qui disait chaud quand même, Clem qui arrive à contester un mec qui était à la BlizzCon. Alors non, Shadow n'était pas à la BlizzCon. Shadow était au WCS Montréal, mais pas du tout à la BlizzCon. C'était Drogo qui est dans la même équipe que Shadow qui était à la BlizzCon. C'est ça. Donc voilà. Calmons-nous. Il n'y a pas de joueur de la BlizzCon dans Underdogs. Calmons-nous. Sinon il sera en top dog. C'est vrai. Sinon, avec Underdog, s'il fait. C'est ça. Comment même s'il arrivait en mode. Imaginons un mec, parle français d'un coup d'un seul, on apprend que Snoot parle français, ok. Le mec participe au truc, se qualifie, fait Underdogs. En une saison, il est en top dog et je vous garantis qu'il n'en bouge plus. Hein. Ah, c'est clair. Il n'y a absolument pas à chier là-dessus. En tout cas, ici, en bas à gauche, pour la team Main Sadichi, un homme qui était donc en WCS saison 3, Shadow. Et en bas à droite, il a fait peu d'offline cette année, mais il en a fait un peu. Il est très jeune, il joue pour Dead Pixel, c'est Clem. Ah là là. Il fait des petites tailles, petite personnalisation. La game que Ponf a faite hier. Oui mec, j'ai écouté. Oh là là, le cancer. Tu ferais mieux de faire des dominants, lol. Lol, MDR, t'es sur les blocs. Attends, mais... On se fait attaquer. Va falloir faire chauffer les APM. Dis donc. Ah mais l'annonceur Diva. Est juste insupportable. C'est hardcore. En fait, elle est cool à écouter pendant une game et après tu dis mais jamais je fais mon ladder avec elle, tu vois. Mais genre c'est juste pas possible. Les en fait. LOL et les MDR. C'est ça. Non mais je suis pas là pour me faire. Je suis pas là pour que l'annonceur se foute de ma gueule en fait. Parce que à la limite, moi je joue avec l'annonceur à l'arak et genre tu sens que à l'arak il méprise l'adversaire, il méprise un peu les choses et tout. Mais il est serein, tu vois, c'est un mépris calme et serein, tu vois, la sérénité de la puissance. Alors que DBA, c'est juste MDR, lol. Ça donne pas du tout envie de jouer avec ça dans tes oreilles, quoi. Ah non, jamais de la vie, quoi. Bon, en tout cas, c'est fun, parce que ça change, hein, clairement. Clairement, voilà. Et on a pas eu toutes les lines, hein, parce que bon, il y en a pour chacune des races, mais c'est ça. Genre, attention, l'arrêt est prête. J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Deuxième reine qui arrive. Oh, une concurrente. C'est ça, ouais. Celui-là, il m'avait marqué aussi, quoi. Une nouvelle concurrente. Une concurrente de quoi? Quoi, pour la domination de l'essaim, mais on n'est pas dans le roleplay, mais qu'est-ce que tu fais? Et pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, DVA, du coup, qui est un personnage de Overwatch et qui, dans l'histoire de Overwatch, est une pro-gameuse, en fait. Alors, je crois pas que ça soit dit spécifiquement de quel jeu. Mais je crois que c'est StarCraft. Voilà, je crois qu'il y avait une espèce de notion de. C'était une joueuse professionnelle de StarCraft et une coréenne, du coup. Donc, big up. Normal. Gros background. Bah,
en vrai, tu sais. Ils avaient le choix entre danseuse de K-pop et. C'est pro gamers de StarCraft, ils ont choisi StarCraft. Bon, K-pop, c'est un c'est peu compliqué. Ultra cliché ta vision de la Corée quand même. C'est un peu comme si je te disais. Hey, y a un... bah, c'est comme si je disais Widowmaker, qui est un personnage français. Elle avait le choix entre être boulangère et peintre. Voilà, et pas d'autre. Et alors voilà, c'est tout. Et alors, t'as un problème. Je veux dire. Par contre, on va reposer un, je pense, de pylône ici. Shadow qui veut du coup tenter la contre-attaque quand il a vu le positionnement des bâtiments de son adversaire. La propre qui est encore en vie, on repositionne un pylône. Et du coup, ça va être extrêmement compliqué. Les marines qui doivent parcourir un chemin incroyable pour aller chercher ces pylônes. On va balancer le cyclone et on va du coup avoir l'occasion de voir ses dégâts contre l'anti-aérien. Oh là là. Oh, on ne mine plus. Tu dégages. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai l'impression que oui, hein. Bah, ne serait-ce que par l'income perdu, regarde, enfin, je veux dire... Il mine pas, quoi. Il mine pas, et là, il va bientôt récupérer une nouvelle photon overcharge, donc il va toujours pas miner, en fait. C'est quoi ce délire de refaire un troisième pylône? Bah, en fait, c'était... je pense qu'il était pas tout à fait sûr de si les deux allaient survivre, et tu vois, les deux sont dans l'orange, donc il y avait quand même un risque, tu vois, c'est... Et puis là, au final, il aura plus le cancel, voilà, il va le cancel, effectivement, et derrière, bah... Le cyclone qui vient taper, mais là le cyclone a 4 de range. Ça veut dire qu'il peut se faire qualité ad vitam aeternam par les stalkers. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont réduit son. Il a 6 en fait. Ils ont annoncé, mais c'est pas sur le patch là. Ah d'accord. Mais je crois qu'ils ont réduit son socle. Enfin, genre, il me paraissait plus gros dans les matchs qu'on avait fait avant. Ouais, mais j'espère qu'on va en revoir parce qu'effectivement, c'est possible qu'il l'ait changé. C'était un peu fat le bordel. Hein. C'est vrai. Bon. Et ben, franchement. Lol. Et plus la perte d'income. Et puis l'économie qui a été perdue, hein. Tu peux nous remettre la barre de production d'ailleurs. Enfin là il est en train de produire deux cyclones. Parce que du coup vous pouvez produire des cyclones sur le réacteur, ok. Mais bientôt bah, il va se retrouver face à quoi, 6-8 stalkers, un immortel. En plus tu vas avoir le prisme. Alors qui est plus aussi utile contre le cyclone, puisque vous avez plus besoin de casser un lock au sol. Enfin de casser le spell du cyclone qui est un lock qui vous permettait de continuer à tirer sur l'unité quoi qu'il arrive. Maintenant ça va rester une grosse dynamique pour amener les renforts directement sur place et sauver des unités qui sont low en vie quoi. Yes. Et je suis en train de me dire, le prisme transfert pour la montée et descente d'unité, est-ce qu'il y a un délai d'animation ou c'est juste lié à ta vitesse de montée et descente d'unité? Est-ce que t'as un délai? Je crois pas. Ne serait-ce qu'une seconde, parce qu'imagine t'esquives les shots. 2-0-1. Non. Tu peux pas esquiver tous les shots, tu vois, mais parce que du coup ça attaque trop vite. Mais je pense est-ce qu'un bot il pourrait le faire? Parce que c'est ça en fait, s'il y a une seconde, enfin s'il y a ne serait-ce que... Tu vois, zéro... Voilà, c'est ça, t'as ta petite frame de... Attention ici, les cyclones qui restent des unités blindées qui se font se faire burst immédiatement. GG. Aïe. Ou alors tu lui dis. Ou alors t'as pas besoin de cibler. Voilà, non mais. Oh shit. Là ça se passe mal pour Clem qui tente des choses mais qui a l'air de ne pas réussir à pour l'instant trouver tout à fait son. Ah non. Bah chaussure à son pied dans ce patch. Voilà. Bah d'un côté c'est Shadow. Oui, qui reste le meilleur joueur underdog, je pense, ouais, assez largement. Il n'y a pas de contest, je pense, là-dessus. C'est le mec que tout le monde craint. Maintenant voilà, on fait une game normale, ça se passe mal. On tente un truc, ça se passe mal. Est-ce que Shadow, il n'a pas remporté les 3 derniers titres underdogs, d'ailleurs? Négatif. Ou juste 2 2. Ce qui reste pas mal. Et là, on est peut-être au 3ème. Bah, là, ce soir, il pourrait remporter du coup son 3ème titre. Triple champion underdogs. Et du coup, we'll see. On va pouvoir partir dans la game. Mon cher Georges. Directement en bas à gauche pour My Insanity sur Galactic Process, c'est Shadown. En haut à droite ici pour la team Dead Pixel, un homme qui va devoir bosser pour revenir. Clem. Ouais, parce que là le déficit est extrêmement réel. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que tu fais? Le cyclone ne m'a pas l'air d'être une super option, même s'il garde ses 6 de range. Je veux dire, ça fait beaucoup de dégâts, mais je pense que juste en unité comme ça, là, je me balade, c'est pas ultra bien. Parce que défensivement, tu vas pas tuer les oracles avec ton attaque. Tu vas pas forcément avoir d'énormes pressions, ou alors c'est des unités qui vont être quand même relativement tanky à ce moment-là, des adeptes. Donc, pas super intéressant. Est-ce que tu te reposes de nouveau sur le tank? Ça avait quand même marché correctement en début de game sur base du Roi Sejong. Ouais, c'est ça, et puis au final, s'il avait emmerdé, c'était plus l'oracle en début de partie que le play spécialement tank. Non, il n'y a pas à partir forcément kékéouette, mais moi j'ai bien kiffé l'adapt de Shadow Dawn quand même. Hein. Déjà, ça remettait en question l'utilité de faire vraiment tous les bâtiments proxy vu le peu de temps qu'il gagnait. Ah et oui. C'est plus la directe à la boîte. Bungyman qui just subscribed. Merci à toi. Et Philosorg dans le chat qui fait une remarque extrêmement pertinente, pour une fois.
bien sûr, je te taquine, Philo. Qui dit, pour info, le Guardian Shield de la Sentry réduit à néant le dégât du cyclone. Et c'est complètement vrai, parce que le dégât du cyclone, c'est genre 2+1 contre... enfin, c'est 2 par seconde ou 3 par seconde plus 1 contre blindé ou un truc comme ça, donc un truc genre ridicule. Mais genre, tu mets le Guardian Shield qui fait 2 d'armure pour chaque attaque. C'est que, bah, tu pourrais dire, ouais, mais c'est pas grave et tout, mais sauf qu'en fait, il attaque 10 fois en une seconde. Donc en fait, tu réduis de 20 dégâts le truc. Lol. Il ne fait plus que 1 par attaque contre les non blindés. En fait, c'est nul à chier. Ah, j'avoue. Si t'as une sentry, j'espère que son unité cyclone, t'es content de l'avoir fait, parce qu'elle est nulle à chier. Ah, j'avoue. Très smart, Philo. Putain, c'est abusé. Abusé. Un peu comme ce nouveau pylône qui est posé de la part de Shadow. Abusé. Il pourrait choisir de poser une Stargate. Ça serait a priori le choix logique, surtout au vu de cet adepte qui est produit en premier. Maintenant, la robot sur Galactic Process, on peut le faire. Tu pètes des cailloux, tu débarques et on t'attendait juste pas si tu n'as pas été scouté. Mm-hmm. Et on est en train de repartir sur un build techie du côté de Sheklem, Reaper, Expand, Réacteur, Usine. Du classique, en veux-tu en voilà. Shadow qui est là, qui fait style, je vais faire des trucs avec ma sonde. Ah oh non, tu viens de me handicaper. Ah oh non, tu es vraiment méchant. Et du coup, on repose effectivement la proxy Stargate du côté de Shadow. Et est-ce que Clem a pris le temps de compter les pylônes de la base de son adversaire ou est-ce qu'il n'a pas scouté l'arrière de la base? Il n'a pas vu toute une partie de la base, donc il peut pas se dire immédiatement il y a un oracle en proxy. Donc là, certes, il lance une mine, mais si cette mine n'est pas en place à l'instant T, ça pourrait très mal se passer pour le bon Clemounet. Ouais, le fait de ne plus pouvoir faire le cyclone pour dégager violemment l'oracle, bah, c'est emmerdant. Oui, il y a toujours cet aspect de le cyclone tape un entier, mais il va taper un dominant, tu vois, qui traîne. Tu vas pas taper un oracle. Pourquoi ? Parce que l'oracle, en fait, il DPS trop vite et va trop vite. Donc tu vas lui enlever un peu de points de vie, mais tu vas pas le bash comme dans l'édition précédente. Exactement. Limite, moi je serais limite pour qu'il laisse le lock du cyclone tel qu'il est en anti-aérien, tu vois. Si c'est que du full anti-aérien, pas automatique, c'est manuel full anti-aérien, genre que les dégâts restent les mêmes, ça me dérangerait pas. Alors que là, honnêtement, son attaque anti-aérienne me paraît assez inutile. Genre, tu peux peut-être tuer un libérateur que le mec oublie derrière. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, tu vas tuer un libérateur, tu vas tuer dominant. Ça tue quand même des trucs, hein. C'est pas zéro. Hein. Non. C'est juste pas ouf. Mais ça fait le DPS d'un marine, peut-être. C'est ça. Attention ici, l'oracle qui arrive. On n'avait pas de mine en place du côté de Clem qui se fait un peu ouvrir sur cette séquence. Et derrière, Shadow qui est parti immédiatement sur un Void Ray derrière. Donc, il n'y a pas l'intention de déconner en termes de firepower disponible. Oh, c'est chaud, c'est très très chaud. On a pris déjà la tête lourd. Ça fait peur là pour Clem, il va quand même pas se prendre un 3-0 là. Deux fois surpris par l'oracle, mais comme tu l'as dit, il a pas fait le tour de la base, il a peut-être eu peur de se faire dégager par une overcharge, mais il n'y avait pas Momo, ce qui était aussi un autre indice peut-être, mais... Effectivement, voilà. Le drop mine qui est en train d'arriver du côté du bon Clem. Il faut faire des dégâts dramatiques ici sur cette séquence si on veut réussir un peu à renverser la balance des choses. Et là, le split qui n'était pas idéal du côté de Shadow. Du coup, on a perdu quand même 7 probes. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour remonter face à un Shadow qui accumule les Void Ray? Ah, qui est toujours dans le lead niveau écho. On accumule les Void Ray effectivement. Est-ce qu'on va avoir de quoi... Attendez de récupérer la mine, ça c'est pas mal fait. Il n'y a que l'oracle qui peut détecter, qui arrive vite. Il va falloir taguer mon pépère. Ouais, c'est tagué, mais du coup, on avait dépensé toute l'énergie. Il y a une troisième mine qui est en train d'arriver. Clem qui pourrait faire du dégât ici s'il arrivait à enterrer sa mine qui a tellement peu de points de vie. Oh, ok, ça va aller, c'est une seule probe. N'empêche qu'il aurait pu retourner une probe et taper. Je pense qu'il aurait tué la mine. Ouais, bon, libérateur. Ouais, sortez Sentry, voilà, mais ce libérateur qui est clairement une source de nuisance à l'heure actuelle. Et bah les Void Ray de Shadow sont de l'autre côté de la map, donc tu vas mettre un petit peu de temps à nettoyer. C'est pas très grave en soi, mais c'est quand même important de le noter. Et là, il va se faire retirer dessus par la mine, hein. Et il est obligé de faire gaffe, hein. Et Focus Fire, et il l'a sélectionné, Clem sait, sélectionne-le maintenant, Focus Fire, like boss. Elle a mis du temps de... What no. Oh. Elle a pris 8 kills. Franchement, t'as pris vraiment ton adversaire pour un newbie là, Shadow. Je suis désolé. Ouais, clairement. Désolé.
Et du coup, on continue sur les Void Ray du côté de Shadown qui a l'air de s'en battre les steaks. Clairement, toujours plus de Void Ray, toujours plus d'unités et toujours plus de capacité à détruire son adversaire. Maintenant, est-ce qu'on a un Clem qui a une chance de tenir? Voilà, là, il a vu le truc, ce qui peut être pas mal. Si on arrivait notamment à prendre le Void Ray, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais la Focus Fire instantanée du Medivac, qui est une unité blindée et donc qui meurt très très vite contre les Void Ray. Oh, les marines qui se font chasser, c'est con parce qu'il a vu, mais finalement il donne son unité. Et voilà, on est en train de zoner la rampe, mais on peut simplement s'occuper de casser le caillou. On a deux Void Ray, au moins il a forcé l'overcharge sur deux d'entre eux. On dirait un vieux timing à la Del Scott, toi. On dirait un joueur chinois. C'est le mec qui pose une Stargate, mais la Stargate c'est fait pour faire des Void Ray en fait. Et ici les Force Field qui sont calés, on pull des VCS, mais n'est-ce pas déjà trop tard? Les Force Field qui bloquent quasiment complètement les unités. On a quand même un tank mais... qui a un peu imposé sa justice au sol. Et on a tombé un des Void Ray, je crois. J'ai pas compris en fait qui a explosé la gueule du Void Ray. Il y avait pas de mine là? Non, il y avait des Marines. Ok, il a eu le bon Focus Fire. Donc c'est pas mal maintenant, il faut défendre à l'intérieur de la maison et c'est compliqué parce que c'est des maraudeurs et des tanks qui sortent. Et le cyclone, voilà le DPS du cyclone, le fameux, il est en train de taper. Regardez-moi ça, il a à peine mis le Void Ray dans le jaune. 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 Non mais là il se met, franchement, il se met là avec le bouclier gardien. Je vais solliciter le contrebas. Merde. Là. C'est chaud en fait. J'aurais jamais cru penser ça, mais il y a plus d'anti-air Terran. Non, bien sûr, il va sortir des Vikings. Bon, des Vikings qui restent des unités blindées, mais qui vont pouvoir faire la diff. Le Libé qui meurt. En fait, genre, c'est con, mais il fallait juste faire plus de Marines. Pas donné sur Medivac, malheureusement aussi. Aussi, ouais. Le bon focus d'ailleurs, quand même. La portée des Vikings qui peut servir. Il est vraiment en train de ramener l'eau de vaisseau vert. Ah, il est là. Ah, c'est vraiment le pire. Shadown, il a aucun respect pour qui que ce soit. Oh là 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 là, le Shaded. Ah, le tank, un tank qui n'était pas en mode siège. On envoie tout du côté de Clem. Malheureusement, ici, ça ne va pas être possible. Pour toi, mon cher Clem, tu vas devoir quitter cette partie qui est désormais terminée. GG. La strat était juste trop bien. C'est ça. À l'ancienne. Mais en fait, ça ne devrait pas nous étonner de la part de Shadown. Shadown, il est excellent. C'est un excellent joueur, macro, micro, etc. Mais c'est aussi un abuseur. C'est un abuseur, et les potes avec des abuseurs, hein, Noctine, Everdive, voilà. Donc, les abus, il les connaît, il sait les faire, il sait les amener à la victoire. Et contre un joueur qui est un petit peu moins fort, Clem, bah, c'est le genre de choses qui sanctionnent immédiatement, malheureusement. Donc là, Clem qui se fait éliminer 3-0, mais ce n'est pas terminé pour lui. Il y aura un match pour la troisième place qu'il devra disputer contre le perdant de Ino contre Moulou. Et ce match en TVZ, du coup, ce sera après la pause. Salut, hein.